vitesse qui est bien utile en ligne droite, mais il ne sert pas à grand chose si vous sortez trop lentement d'un virage ou si vous êtes trop loin. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton. Et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Van Doorn, Bottas, Kimi Raikkonen et Verstappen, Ricciardo, Perez, Grosjean et Fernando Alonso, Hülkenberg, Ocon, Felipe Massa et Magnussen, Palmer, Kvyat, Lance Stroll et Carlos Sainz, Wehrlein et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Bon, c'est parti, je sais ce que t'as dans le ventre, ne me déçois pas. Thank you.
belle performance de la part de Ferrari qui remporte aujourd'hui une superbe victoire. D'après vous, Nicolas Martin, à quoi peut-on attribuer cette victoire? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Les voilà qui montent sur le podium. Quel que soit le circuit où vous allez, les drapeaux du cheval cabré font la loi dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie. C'est Ferrari qui l'emporte une fois de plus. Voyons à quoi ressemble le classement pilote. Sébastien Vettel prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous? Sûrement Carlos Sainz. Bon rythme, bonne stratégie. Je pense que sa conduite était très efficace, si l'on peut dire. Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs. Le leader du tournoi a chuté dans le classement après une grosse baisse de régime. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui qui monte au classement. On espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péripéties et découvrir qui sera le nouveau vainqueur.